Encore une soirée à écrire. Je suis prolifique ces derniers temps. Pourvu que ça dure. Non seulement j'ai beaucoup d'idées qui me viennent, mais en plus, le public semble les apprécier. Que demander de plus? Je me sens fatiguée, mais également comblée. C'est un véritable privilège de faire ce que je fais. J'en suis bien conscient que tout le monde n'a pas cette chance. Voilà pourquoi j'en profite à chaque seconde. J'en viens souvent à croire que la muse de l'écriture existe vraiment. Je sais, c'est ridicule, mais ce serait génial. Savoir qu'on est protégé et guidé par quelque chose d'aussi puissant. Je rigole en moi-même, je m'imagine. Une magnifique créature. Pourquoi pas une belle rousse à la peau laiteuse, aux mignonnes petites taches de rousseur. Je frissonne de plaisir à cette évocation de mes anciens cours d'histoire gréco-romaine. Je n'y tiens plus. Je m'endors sur mon clavier. Je suis réveillée par un bruit étrange. Je me frotte les yeux pour enlever le sommeil. Ma bouche est pâteuse. J'ai du mal à émerger. Ma compagne est dans le lit en train de dormir. Le son ne semble pas venir d'elle. Je cherche d'où ça vient, mais je n'entends plus rien. Je regarde le réveil. Il est déjà 6 heures. Ça ne vaut pas la peine que j'aille me coucher. Autant aller directement me doucher. L'eau chaude délie mes contractures. Oh, ça fait du bien. Tandis que je me lave les cheveux, je sursaute. Je viens de voir une ombre à travers le rideau de douche. Elle n'est pas plus grande que celle d'un enfant. Je cligne les yeux, mais elle reste là. Je saisis le pommeau dans l'espoir de pouvoir m'en servir pour me défendre. Nue sous la douche, j'ai pas beaucoup d'autres options. J'ouvre violemment la toile qui me sépare de l'ombre. Pommeau en avant. Je hurle de peur, je suis pris de nausée en voyant la chose qui se tient devant moi. Il s'agit d'un genre de satyre, brun, poilu et difforme. Ses petits yeux noirs brillent dans la buée ambiante. Sa tête énorme est ornée de 2 cornes annelées. Il ne possède pas de pieds de chèvre comme ses homologues, mais il a de grands pieds velus. Une bouche odieuse barre son visage dans un odieux rictus. Fous le camp, sale bête! Dégage! Chut! 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 Comment oses-tu me parler ainsi? Alors c'est toi qui voulais me voir, stupide humain! Jamais je n'aurais voulu voir une telle abomination. Tu as déjà oublié ton désir de cette nuit? Eh non, je ne suis pas une belle rousse. Tu serais ma muse? Impossible! Et pourtant, je peux te citer ce que je t'ai soufflé cette nuit. C'est alors que Grégoire prit la décision la plus importante de sa vie. Tout devait cesser. Cette nuit, il passerait à l'acte. Comment pourrais-tu savoir ça? Je ne l'ai pas encore. Je te l'ai dit, je suis ta muse. Désolé, mais pas désolé. Je ne suis pas un fantasme. Afin que je parte, ta femme se réveille. Je repasserai te voir plus tard. Ne t'en fais pas. Je me sens mal. J'ai juste le temps de me pencher au-dessus de la cuvette. Mais qu'ai-je fait pour mériter ça? Bon. Il faut que je me calme. Je ne dois pas inquiéter Monique. Après tout, c'est à cette chose que je dois ma carrière. Bon. C'est pas l'apparence qui fait la qualité. Il fait peur, mais il m'aide. Sans lui, je serais toujours un écrivaillon sans talent qui crève la dalle. Je dois être reconnaissant. Ma journée se passe calmement. Je me sens comme dans un brouillard. Tout me paraît irréel, mais pas suffisamment pour écrire de manière productive. Je me sens bizarrement engourdie. Je passe la journée entière devant l'écran. Pourtant,
Je produis à peine un paragraphe. Il est 22 h, ma femme dort déjà. Elle doit se lever tôt demain pour son boulot. Je reste assis à l'ordinateur. La torpeur m'envahit. Je commence doucement à piquer du nez. Lorsque je perçois un mouvement du coin de l'œil, c'est la muse. Il est toujours aussi abominable. Je tente de présenter des excuses pour mon comportement de ce matin. Pardonne-moi, je voulais pas être désagréable ce matin. Je te dois tellement. Tu me donnes tellement. Te donner? Je ne dirais pas ça. Hein? Que veux-tu dire? Rien n'est jamais gratuit en ce monde. Qu'est-ce que tu veux en échange? Ne t'inquiète pas de ça. Je me sers bien tout seul. Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'en fais pas. Tu le seras bien assez tôt. Au fait, pourquoi es-tu venu me voir? Eh bien, pour te donner des idées, pardi. Plus sérieusement, je te conseille d'aller voir la page 3 du journal L'Écho du Soir de demain. Une sordide affaire de meurtre. Tu te baseras sur ce qui est écrit pour rédiger une histoire de meurtre satanique. Les images sont suffisamment explicites pour te guider. Et pour ce qui est de la rédaction, je te donnerai le même coup de pouce que d'habitude. Puis il disparaît. Le lendemain, j'achète le journal en question. Effectivement, à la page mentionnée, je trouve un article et une photo d'homicide. Je suis donc les conseils de ma muse et m'installe devant mon clavier. Les idées fusent dans ma tête. C'est un véritable torrent. Mes doigts filent sur les touches avec une rapidité impressionnante. Même si ma femme a ça en horreur, je reste constamment sur mon ordinateur. Je ne me déplace que pour aller me laver et aux toilettes. En moins d'un mois, j'ai un premier jet à soumettre à mon éditeur. Il en est assez satisfait dans l'ensemble. Il me donne quelques conseils que je m'empresse de mettre en pratique. Puis, j'envoie le tout à la correction. Dans ma précipitation, j'ai été très négligent sur l'orthographe. Lorsque le livre paraît, je suis complètement vanné. Les mois et les années passent. Je n'ai plus la visite de ma muse. J'en viens même à penser que c'est le fruit de mon imagination débordante. Petit à petit, j'acquiers une certaine renommée littéraire. Pas près des critiques, mais auprès des lecteurs. Ce qui est à mon sens le plus important, puisqu'ils sont plus nombreux. J'enchaîne les dédicaces, les plateaux de télé, les soirées. Je cumule les journées passées à écrire et les nuits blanches. Je suis exténuée, et j'ai l'impression de récupérer de moins en moins. Mais parallèlement, je suis de plus en plus productif. Ma femme ne supporte pas les dégâts collatéraux de mon succès. J'entends par là mes absences répétées et mon isolement de plus en plus fréquent pour écrire. Elle a demandé le divorce. Nous nous sommes séparés à l'amiable. Je n'ai pas besoin d'entrave dans mon art. Les best-sellers se succèdent. Pourtant, je me sens de moins en moins bien. La caféine ne me suffit plus. Je commence à prendre de la cocaïne. Ça accroît davantage ma créativité. Ça diminue ma faim et ma soif. Et me coupe mon envie de dormir. Malheureusement, mon corps n'a pas supporté la cadence. Lors d'une séance de dédicace dans une librairie de Paris, j'ai eu une attaque cardiaque. J'ai été immédiatement emportée à l'hôpital. Il faisait nuit lorsque j'ai enfin rouvert les yeux. Je me sentais perdue. Puis j'ai sursauté lorsque je l'ai remarqué. Il était là, assis sur mon torse. Comment ne l'avais-je pas remarqué plus tôt? Il me fixait, avec des yeux extrêmement sombres et un sourire hideux. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu reviens alors que je ne t'ai pas vu pendant des années? Je suis venu te dire au revoir. Notre collaboration touche à sa fin. Comment ça? Tu me jettes parce que je suis malade? C'est ça? Et je vais guérir. C'est juste une question de temps. Tu veux quoi? De l'argent? Je peux te donner n'importe quoi.
Tu te trompes lourdement. Je n'ai absolument pas besoin d'argent. Je me nourris de ta fatigue, de tes états d'esprit négatifs. Et en échange, je te donne l'inspiration. Pourquoi crois-tu que vous autres écrivains êtes si créatifs lorsque tout va mal? Que vous broyez du noir ou que vous êtes sur le point de sombrer dans le sommeil? À présent, tu m'as tout donné. Mais tu vas faire un dernier effort et écrire un dernier chef-d'œuvre. Ce sera ton chant du cygne. Tu veux dire que je vais mourir après avoir écrit cet ouvrage? Oui, c'est ce que veut dire un chant du cygne. Et si je refuse? Eh bien, c'est simple. Tu mourras quand même. Ton cœur ne tiendra pas bien longtemps de toute façon. Mais tu retomberas dans l'oubli. À toi de voir. Je suis de nouveau seul dans la pièce. Les médecins m'expliquent que ma crise cardiaque est due à la drogue et à la fatigue. Ils décident de m'envoyer en désintox. J'accepte à la condition de pouvoir garder mon ordinateur ou au moins une machine à écrire. Ma requête est acceptée. C'est le dernier point. Je m'apprête à envoyer la copie à la maison d'édition. Je sais que quand j'appuierai sur envoyer, je mourrai. J'inspire à fond et j'enfonce le bouton.